Yo tout le monde, c'était Famous Ghost. Écoutez, j'espère que vous allez très bien les amis. Aujourd'hui on se trouve pour un tout petit timelapse, donc d'un point Lego, un set Lego Star Wars qui est vraiment très très rare, enfin très très rare, qui est produit ici pour à l'occasion du May the 4th be with you, donc le 4 mai 2019, enfin pour cette, du 3 aussi, mais bon, c'est pour l'événement du 4 mai, donc le Star Wars Day. Donc voilà, je me suis fait une petite commande sur le site de Lego, histoire d'avoir les fameux 75 € minimum d'achat. Donc qu'est-ce que j'ai reçu? Donc je me suis pris le Porg, voilà, que vous... Certains d'entre vous connaissent certainement déjà, qui ira en timelapse très prochainement. En même temps de ça, ben voilà, j'ai reçu un joli petit poster, bon, qui est encore emballé dans un plastique, avec les 5 sets emblématiques donc, du 20e anniversaire. Donc le Slave 1, le Podracers, le Snow Speeder, le Clone Scootwalker et le. C'est quoi quoi? Ouais, le Dropship, je sais plus si c'est l'Empire Dropship ou le. Ouais, enfin, qu'importe. Le plus important pour moi, c'était vraiment cette boîte-là. Donc cette boîte-ci. C'est en fait tout simplement la miniature réelle de la bataille de Hoth en microscopique, mais bon voilà. Je vous montrerai par comparaison, on fera une photo. En fin de vidéo, vous aurez une photo de mon diorama de Hoth et vous comparez vous-même par rapport à ça. Donc voilà, le set fait 195 pièces. Donc je vous dis, allez, grosso modo, dans quelques minutes pour le verdict. Beep.
Voilà les amis, après un tout petit quart d'heure récréatif qui était vraiment chouette, franchement c'était vachement intéressant et vachement chouette à monter. Bon, on a plein de petites pièces en trop, donc ça c'est classique chez Lego. Donc on reprend la boîte, donc la boîte elle nous montre donc voilà la petite scène mythique de la bataille de Hoth avec une petite vue aérienne ici. On a un joli petit livret estampillé 20e anniversaire qui est tout petit mais fait quand même 80 étapes hein, plus ou moins. Non 64, qu'est-ce que je dis? 64, 69... Hop, attendez, que je dis pas. 73 étapes, voilà. Mais on va se concentrer vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment un micro-scale vraiment résumé. Donc on a le générateur de bouclier avec 4 boucliers et non 3 comme dans Aswan Hoth 75098. On a un snowspeeder orange, un snowspeeder grisé et un TBTT avec, attention, un petit droïde impérial. Donc voilà. Et la jolie petite étiquette 20e anniversaire de Lego Star Wars. Donc franchement, si vous avez eu l'occasion d'avoir cette boîte... tant mieux pour vous. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas encore su la... Enfin, qui n'ont pas su la voir ou quoi que ce soit. Attends, je remets juste ceci comme correctement. Sachez que ça vaut une bonne vingtaine... Allez, une petite 20, 25 euros. Voire maximum 30 frais de port inclus. Donc 25, quoi. Voilà pour ce que c'est. Donc si vous avez la possibilité de l'avoir pour ce prix-là, sautez sur l'occasion. Parce que c'est, voilà, c'est exclusif au 20e anniversaire. Et dans, vous ne le trouverez plus jamais ailleurs, de toute façon, donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça change un petit peu des tutoriels sur Jailbreak, il faut bien changer de temps en temps. Donc j'espère que ça vous a plu, donc sur ce, pensez à liker, à commenter, à vous abonner. Le prochain timelapse sera sur le Porg, et le suivant sera sur le 75227, le buste de Dark Vador, que je suis en train de bricklinker. Regardons quelque part, voilà. J'ai déjà une bonne partie de la pièce, j'attends mon autre commande qui arrive demain. Et ma commande Lego, quand j'ai acheté ceci, j'ai acheté les deux petites pièces, les deux wedge 4x6 noirs, donc gauche et droite, exclusifs au set de Dark Vador sur le site de Lego. Ils arriveront d'ici une semaine. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis, allez, ciao, bye bye.